Soldat du CSTSU, où je suis fière d'avoir intégré l'armée de terre et de faire partie du collectif Armée de Champions pour ces 2 années. Donc je pratique le ski olympique, donc c'est une discipline dérivée du baltrap, donc tir au plateau, avec un fusil. Ce que j'aime dans cette discipline, c'est que c'est une discipline qui me demande de l'énergie, de la volonté, de la rigueur, des qualités qui se rapprochent énormément de l'armée de terre. J'ai été 3e au championnat du monde en junior en 2011. Je suis championne d'Europe 2017, championne d'Europe en équipe mixte avec Anthony Terras également. En 2018, j'ai été 3e à la Coupe du monde de Tucson. J'ai fait 2e au championnat d'Europe et 1re encore une fois avec Anthony Terras en mixte. Donc je rejoins mon binôme qui fait partie également de l'armée de champions. J'ai déjà fait une compétition militaire, c'est un championnat du monde militaire. Donc ça m'a permis de prendre un peu mes marques, de voir ce qui allait m'attendre. Et c'est vrai que c'était un univers qui était vraiment complètement différent de celui que j'ai l'habitude de vivre. Mais j'ai vraiment hâte de connaître encore d'autres compétitions. Ma conseillère de tir militaire, toujours là pour nous aider, qui est toujours disponible et qui a énormément de vécu dans la compétition. Donc c'est super important pour nous. La première grosse échéance va se dérouler en mars. On va avoir la Coupe du Monde au Mexique, donc le début de la pêche au quota pour nous. Moi, mon rêve, ce serait de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc, une fois ma saison faite, mon objectif, ce sera les Jeux Mondiaux Militaires. Et avec la première place au bout.